Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Attention, ça va être très simple, on va faire une petite recette aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je cuisine. Donc voilà, là on a un dimanche après-midi. J'ai un peu faim, bon il est un peu 16h mais j'ai pas mangé de la journée. Et du coup je vais faire un petit repas pour mon frère et moi parce que dans cette baraque, il n'y a que moi qui cuisine. C'est-à-dire que je fais manger pour tout le monde. Vraiment je suis la cuisinière, embauchez-moi. Payez-moi en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mange dans mon assiette puisque j'évite en ce moment de manger beaucoup, enfin trop gras entre guillemets. Je vais à la salle, là j'ai un objectif en tête. Donc j'évite de manger vraiment trop gras, genre en mode quand je dis trop gras, c'est-à-dire les burgers, les McDo, les trucs et tout, les trucs un peu trop... Genre très, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, là c'est pas non plus très healthy ce que je vais faire, hein. Je dis pas du tout que c'est healthy. Je vais improviser parce que j'adore improviser à manger. Genre à chaque fois mon frère me dit fais-moi manger. Je regarde dans ma cuisine, je regarde ce que j'ai, les aliments que j'ai, etc. Et j'improvise totalement. Donc là aujourd'hui j'ai ma petite idée de ce que je vais faire. J'ai envie de faire un riz poulet, mais genre pas n'importe quel coup poulet, genre pas du poulet comme ça, je te le fous dans l'assiette et c'est terminé. C'est un petit poulet que je vais faire avec des épices, de la moutarde et tout, ça fait trop bon. Et ensuite mon frère il va déguster en fait, et moi aussi parce que j'ai très faim d'ailleurs. Bon, le décor n'est pas ouf non plus, mais bon, c'est ma cuisine, on n'y peut rien. Et en fait, je sais pas trop comment vous poser parce que là vous voulez que je vous dise tout, je vous ai posé sur une boîte de Nescooki. Sympa, sympa. J'ai ce poulet comme ça, j'ai de la moutarde et je mets des gants parce que je vais couper le poulet en morceaux et je mets dans la moutarde et je vais baigner et tout. Et j'ai pas envie d'avoir mes mains remplies, surtout j'ai des longs ongles remplis de j'allais dire de myrtilles. Pourquoi myrtilles? J'ai de moutarde. Donc là, je vais commencer par couper le poulet. Vous avez votre tranche de blanc de poulet comme ça. C'est du blanc de poulet, je crois. L'extra tendre de poulet. Bon, voilà, c'est ça. Et je vais le couper en petits carrés, genre. Voilà, je vais faire des lignes comme ça. Et après, je vais couper comme ça. Ça va être des petits carrés, des petits dés un peu de poulet. Donc après, je vais mettre ça sur le riz, au-dessus du riz et tout. Donc voilà, dans l'assiette, c'est parti, on coupe. Et je suis trop contente aussi. Pourquoi? Parce que je pars mercredi avec ma best friend forever and ever, sister from another mother. Je pars à Marrakech. Et du coup, on se fait des petites vacances pour nos 2 ans d'amitié. Oui, ça fait que 2 ans. J'ai l'impression de la connaître depuis des années, je vous jure. Je sais pas si vous aussi vous avez une amie comme ça, où vous avez l'impression de la connaître depuis des années. Mais je vous jure que moi, Farah, j'ai l'impression de la connaître. Genre, c'est la même que moi. Genre, en plus, on n'est pas le même signe astrologique, on a les mêmes ascendants et tout, genre, à l'inverse. C'est-à-dire que moi, je suis Gémeaux, ascendant Balance et signe lunaire Bélier. Et elle est Bélier, ascendant Gémeaux, signe lunaire Balance. Elle est un truc comme ça, mais genre, on a les mêmes et tout. Genre, on est vraiment compatibles. En tout cas, les Béliers, je vous adore. En tout cas, je m'entends grave bien avec elle et tout. C'est vraiment ma sœur. Et du coup, tout ça pour vous dire que je pars mercredi, donc là, dans 3 jours, à Marrakech. Je vais faire des stories. Donc, je vous invite à aller voir sur Insta. Parce que je vais faire des petites stories et tout. Qui vont être trop drôles, trop sympas. Du coup, j'ai trop hâte de partir avec elle. On va fêter nos 2 ans d'amitié. J'ai l'impression qu'on a un couple, en fait. Toujours, c'est mon mec. Ma meilleure amie, c'est vraiment mon mec. Genre, déjà, on a notre localisation respective, en fait. Et genre, on se tient au courant de tout, genre dès que je sors, dès que je fais n'importe quoi, genre je vais acheter du pain. Farah, je vais acheter du pain. Genre, je suis vraiment au courant de tout. Et du coup, je disais, donc on part à Marrakech pour le week-end, entre besties, on a prévu toutes les activités et tout. Vraiment, bien évidemment, je vais vous vlogger. Genre, c'est la base, vous vloguer, je suis obligée de vous emmener. En fait, moi, je trouve que je suis plus forte en vlog. Genre, moi, je préfère, enfin, pas plus forte en vlog, je veux dire, dans le sens où j'adore tourner des vlogs. Et j'ai envie de me sur ma chaîne, limite, filmer que des vlogs. Genre, même encore aujourd'hui, je voulais vous faire un vlog. Genre, ça fait 2 fois que je vous fais des vlogs, mais j'adore ça. Genre, j'adore vous montrer ma vie et tout, vous emmener avec moi. Je sais pas si vous, ça vous saoule de voir trop de vlogs et tout. Si vous voulez des vidéos un peu plus spécifiques et tout, mais moi, je vous jure, j'adore tourner les vlogs. Là, Marrakech, officiel, je vais vous faire un vlog qui sortira la semaine prochaine, du coup. Genre, au moins, en fait, ça me permet de vous montrer un peu mon quotidien, ma façon de penser, ma façon, genre, d'être et tout. Genre, parce que je sais que sur les réseaux, des fois, on connaît pas forcément les personnes. Genre, bah, on arrive pas trop à connaître les personnes, c'est normal, vous ne me connaissez pas. Du coup, j'ai envie de vous donner un peu l'impression de me connaître encore plus, comme si on était une grande famille, des copines, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trop envie de faire des vlogs, pour que vous soyez un peu avec moi dans mon quotidien, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, voilà, j'ai coupé mon poulet. Comme vous pouvez voir, en petits morceaux comme ça. Et là, on s'attaque à la moutarde. On prend la moutarde. On est généreux sur la moutarde. Donc, ouais, j'ai pris une grosse cuillère. Et là, genre, on y va, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Et avant de mettre mes mains dans la moutarde, je vais sortir les épices que je vais mettre. Curcuma, et j'avais mis du tandoori, mais je crois que j'ai plus de tandoori. On n'a pas tout, donc on avise. Donc je vais mélanger. Pourquoi, je ne sais pas, mais je sais que ça rend bon à chaque fois tout ce que je fais. Donc je me fais confiance. Donc du curcuma moulu, ainsi que du paprika. Et là, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. On mélange tout. Parce que je veux dire, si tu mets le poulet comme ça, moi j'aime pas le poulet, le blanc de poulet sec comme ça tout seul. Genre, je supporte pas. Là, j'ai une technique d'ailleurs, quand vous poulez, vous mettez un poulet dans la poêle pour pas que ce soit trop sec. Et donc, j'ai une petite technique, tu rajoutes un peu d'eau. Tu rajoutes un fond d'eau, le blanc de poulet va absorber un peu l'eau et ça va rendre le poulet plus tendre. Et du coup, là, la moutarde, bah, ça va faire en sorte que ce soit pas du tout sec ni rien. Et ça donne du goût quoi. C'est tout ce qu'on veut. Là, j'ai bien mélangé et je vais rajouter encore des épices. Parce qu'il n'y aurait pas assez. Ok, je crois que j'en ai mis beaucoup là. Il n'y aura pas du tout assez de poulet pour mon frère et moi, putain. Je suis un peu dégoûtée là. J'aurais dû mettre 2 poulets, mais je mets pas. Mais j'aurais préféré de mettre du tandoori. Je suis dégoûtée de ne plus avoir de tandoori. Donc si vous avez du tandoori chez vous, n'hésitez pas à mettre du tandoori.
à la place du paprika que j'ai mis. Je vais allumer ma plaque de cuisson et je vais mettre le poulet dedans. Et une fois que j'ai mis tout le poulet dedans, je vais faire cuire mon riz. Bon, c'est pas un riz, c'est un riz minute que tu mets au micro-ondes, c'est plus facile. Je me fous pas trop la pâte, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, mon poulet est en train de cuire. Et une fois qu'il cuit, en fait, je vais rajouter à l'intérieur ma petite touche personnelle, bien évidemment, qui est du miel. Il faut savoir que le poulet cuit super, super vite, genre vraiment très vite. Genre, soit je vais mettre vite le riz, celui-là que j'ai. C'est super bon, c'est un riz coco façon taille. Et il est super bon. En fait, tu l'ouvres un peu et tu mets 2 minutes au micro-ondes. C'est de la marque de Benz. Ce n'est pas un placement produit. Et ensuite, je vais rajouter du miel. Enfin, une tonne de miel, mais genre une tonne de miel. Parce que ça va rendre un peu beaucoup plus sucré. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans la poêle. Là, pour l'instant, ça ressemble à ça. Vu que j'ai mis du miel, ça crépite et tout. C'est super bon. Attendez, je vais essayer. Oh là là, je fais tout tomber, je fais tout décoller. Ça va être trop bon. Maintenant, je selle et je poivre. Il est où le sel, il est où le poivre? Il est là. On selle, très important. Puis on poivre, et ça c'est mon meilleur poivre, grave. Je sais pas s'il se trouve en France, c'est à l'île Maurice qu'un mec qui faisait des salades sur la plage, il nous en avait donné un parce que c'est le meilleur poivre du monde. Genre. Bref, du coup j'ai salé, j'ai poivré, je continue à mélanger et le poulet il cuit super super vite. Je crois que le riz est prêt. Vous allez voir, c'est une tuerie, vraiment, je vous jure, c'est une tuerie ce que je fais. Vraiment, faites-le et goûtez et remerciez-moi. Vous savez, j'ai fait un truc de fou, moi je vous crois un top chef. Mais c'est l'attention qui compte, je suis à manger pour mon frère, c'est déjà bien. Ok, je mets la table. Don't move, ne bouge pas. Deux petites assiettes. Un pour le brother et un pour la sister avec deux fourchettes, un fork, on va faire des pendant le aussi. Deux verres, dos bassos, de rice, le riz. Et comme je suis quelqu'un de civilisé et éduqué, je range mes affaires une fois que j'ai terminé. Et comme on perd toujours, dans le lave-vaisselle, pas dans l'évier. Je me fais taper sur les doigts à chaque fois. Je sais pas si vos parents aussi font la même chose, mais j'en peux plus. Chaque fois que je mets un truc, des fois je pense pas, je mets dans l'évier, je fais hop et je pars. Non, 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 mon père qui m'attrape un callback. Pardon. Et je vais rajouter un fond. Mais genre un fond d'eau dans mon poulet. Ça va le rendre un peu plus tendre, même s'il l'est déjà. Mais c'est vraiment histoire de faire un peu comme une sauce, genre. Tu peux rajouter un peu de crème fraîche, ça peut être bon aussi avec de la crème fraîche. Tu vois ou pas le délire? Ça fait une petite sauce, ça se baigne dans la moutarde, le curcuma, tout ça. Et c'est excellent. Ça cuit, ça cuit. Vraiment top chef. Démarchez-moi. Envoyez-moi un mail. Mon rêve, vous savez c'est quoi, on veut faire mon rêve? Un dîner presque parfait. Vraiment un dîner presque parfait, mon rêve. Mettre les notes dans la salle de bain comme ça. Et chez moi, où à chaque fois, dans un zébra c'est parfait, leur table, quand ils font la déco et tout, elles sont éclatées. Je sais pas s'ils font exprès ou pas. Mais je sais pas, il y a des thèmes des fois, des trucs bizarres, genre des trucs violets et tout, genre. Et chelou. Voilà, j'en ai un dernier fond d'eau et c'est fini. Genre, une gouttelette, genre. Voilà. Mon riz est prêt. Donc voilà. Je sais pas si on voit. J'ai peur de tout faire tomber. Que ça rend. Là c'est le riz, on fait genre une présentation, on fait genre c'est bon. Et là je rajoute un peu de ma mixture. Et hop, je fais pareil pour mon frère. Kylian à table! Kylian! À table! Bon, ça rend pas beau hein, comme ça, mais je vous jure c'est excellent. Attendez, je vais goûter devant vous. Ah, c'est super bon. On va regoûter mon frère, on va voir ce qu'il en pense. Une pépite. On dirait, mais vraiment, je suis choquée comme si j'avais fait un truc de fou, un plat de fou, genre. Alors que j'ai fait juste du riz avec du poulet. Ça refroidit, Kylian. Con, celui-là aussi, là. Donc voilà, le... ah, mais c'est vrai, c'est la première fois que je reviens sur ma chaîne YouTube, là, en fait. Quand tu fais ces vidéos, ça. Mais la dernière fois qu'on avait fait une vidéo YouTube, c'est un mec. Alors, tu m'as dit, on va manger du poulet et du riz, tu m'as pas dit, on va faire une vidéo. Ouais, t'es là, je viens de me prendre par surprise. Donc, on est en pleine vidéo YouTube, donc tu vas goûter mon petit plat que j'ai fait et tu vas donner un verdict. Déjà, tu peux dire bonjour, s'il te plaît, parce que ça fait juste 4 ans que t'es pas venu sur ma chaîne YouTube en fait. Ça l'a mal écoulé. La dernière vidéo, c'était une dégustation My American Market. Putain, ça date. Ouais, mais c'est une première pâte, t'es mal, j'ai la coupe de cheveux, je suis pas douché. Non, t'es top, top. Bon. Alors. C'est bon. C'est bon ou pas? En vrai. De la moutarde. Moutarde, curcuma, miel. Paprika, beaucoup de miel. Ouais, miel, hein. Miel, une tonne de miel. Mais le moutarde, très bon. C'est bon, non? Ouais, validé. Quand lui dit que c'est bon, c'est vraiment bon. Validé. Il faut sacher qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Madila. Ça m'a fait très peur. Bien sûr que oui. Quand t'as dit il faut sacher, je suis très peur. En fait, c'est à cause d'Amélie Netten. Je fais que dire, il faut sacher. Je n'appelle pas par plus de France, là. Il faut savoir que c'est moi qui. Ah, je peux pas être bizarre. Une clémentine. Parce que... Quand je dis il faut savoir, c'est dans cette maison, c'est moi qui me nourris. J'avoue, elle cuisine. Et je cuisine comment? Pour la vérité. Vraiment la vérité, je cuisine comment? Un beau 8,5 sur 10. Et sachant que c'est une belle note, hein. C'est une très belle note, 8,5 sur 10. Je cuisine super bien. Après, il y a 9 sur 10. Ça, c'est moi, ça. Moi, tu cuisines quoi dans ta vie à part des pâtes et des croque monsieur, mon frère? Comment ça? Tu fais des croque monsieur tous les jours et des spectacles. Ils sont très bons, mes croque monsieur, frère. Des croque monsieur qu'ils ont déjà fait. Erta. Oh, j'utilise le micro-ondes mieux que personne. Et la machine à panini aussi. Ah, qu'est-ce que j'aime acheter? On l'a grâce à moi, hein. C'est moi qui l'ai acheté. Hein. Fais que jouer à ton Monopoly Go là. T'en manquais?
La vérité ou... Même pas, hein. Si vous nous avez manqué. Est-ce qu'on ferait une vidéo? On ferait pas une vidéo de dégustation? Sur ma vie, mon rêve à l'ancienne, on ferait une vidéo de dégustation. Ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. On ferait pas ça? Pour les trucs sur Internet et tout? Tu rigoles, mais quand je bossais la semaine dernière, j'arrive chez un client et il avait 4 filles. J'avais genre 14, 16, 17 et 19 ans. Et il y en a une à un moment, elle me regarde, elle me fait: oh putain, tu faisais les dégustations avec Danae. Je crois pas. Mais elle a kiffé les dégustations. Et c'est pour ça. Juste pour elle. Tu peux me dire dans les commentaires aussi, un peu qui me disait soit dégustation avec ton frère et tout, ça date. Juste pour cette petite, on va refaire des dégustations. Ah là, dis-moi si ça vous chauffe qu'on refasse une petite vidéo de dégustation. Le projet américain, genre. Comme à l'ancienne. La DA de ma chaîne, je veux que ce soit vraiment les vidéos à l'ancienne. Ah, genre, parce que plus personne fait ça. Pas de soucis, là. Non, parce que les gens, quand ils ont repris YouTube et tout, ils font tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce que les gens. T'as compris, genre. Et moi, je veux vraiment refaire les vidéos à l'ancienne. Et je sais qu'il y avait plein de commentaires dans mes dernières vidéos qui me disent: ouais, ça fait plaisir tes vidéos et tout. Genre, tu fais grave des vidéos comme tu faisais à l'ancienne, genre. Truc naturel, on s'en bat les couilles, genre. Ouais, mais plus personne fait ça. T'as raison. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Faut faire. J'ai envie de refaire le swap avec Kiara aussi. Après le swap de Noël. Lance les... C'est vraiment un milliard, toi. Tu sers à rien, on se pas l'aider, frère. Sur ce, ta petite vidéo est finie. Genre là, quand tu leur as expliqué comment faire ça? Ouais. Faites, hein. Faites à vos mecs, faites à vos parents, faites à vos cousins. Bref, bah du coup, alors. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a faim. Tu veux poulet? Tiens, viens manger poulet, mon fils. Non, mais il va s'étouffer avec les curcuma. Non, il kiffe. Je vois pas, c'est un chat épicé celui-là. Bref, en tout cas, voilà, c'était très bon ce petit repas. J'ai pas du tout fini, mais je vais continuer mon assiette. Mais bon, on a besoin un peu d'intimité, on préférait ça, raconter des potins. Pourquoi tu me piques un poulet à moi? En plus, il restait qu'un poulet. J'avais le seum, je voulais faire deux poulets. J'en ai plus. Ah, c'est pour ça. Ouais, il y a qu'un poulet. Je crois que c'était une entrée, moi. Je me disais où est-ce qu'il y avait le plat. Je crois que c'est la mise bouche, toi. Ah, ouais, c'est ça. T'approches pas trop aussi non plus. Hein. Les filles, je suis tombée. Elle a glissé, hein. Je fais des bisous. Refaites ma recette, sinon vous allez voir. Je suis très menaçante. En tout cas, vous faites des bisous. On vous aime. Et on vous dit à la prochaine. Si vous voulez le revoir sur une vidéo, si vous voulez pas, dites-moi, je boycotte, hein. Comme vous voulez. Bref, bye, je vous aime. Ça va, frère, combien de bisous? Bah 20 000, il mérite.